Congo Choses Positives. Congo Choses Positives. Missy Soldat, je positive. Morgane Mapinda Mapinda, je positive. Et positive. Je positive. Je positive. Je positive. Je positive. Je positive. Je positive. Et positive. Ceux qui étaient aux commandes avant, constatant la réussite que nous sommes en train d'apporter à notre entreprise, ont commencé à s'ériger contre M. Yala pour l'empêcher à continuer à donner le meilleur résultat à la Cogelo, parce que le résultat que moi j'apportais les effaçait d'une manière pour dire que voilà l'homme qui connaît le travail et l'homme par lequel la Cogelo se retrouve. Donc M. Yala ne fait l'objet d'aucune plainte, d'aucune poursuite, d'aucune responsabilité, d'aucun fait avéré qu'il aurait pris un centime. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui que je vous parle, mon entreprise me demande d'aller reprendre mon service. M. Yala, qui suis-je? Je ne suis pas un parvenu. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je ne me suis jamais retrouvé quelque part en culpabilité de vol ou d'association de malfaiteurs, jamais. Et je ne l'ai jamais fait. Oh, négativité n'est pas ma pinda. Je positive. Je positive. C'est pas bon, papa. Bien, voilà. Mais donc, après 6 mois de présence avec vous ici à Paris, une période qui m'a permis tout simplement de me reposer un peu par rapport à l'objectif de ma visite ici. Mais malheureusement, derrière moi, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Comme nous les avons, oui, on a eu des oui, on a entendu par-ci, par-là. Mais dans chaque chose, il y a ce qu'on appelle les zones d'ombre qu'il faut éclaircir. C'est pour cela, comme on dit que le silence est d'or et la parole est d'argent, j'ai préféré me comporter en silence d'or, et je pense qu'aujourd'hui le moment est arrivé pour qu'on essaye ensemble de tirer au clair un peu cette situation, de quoi il s'agit exactement. Mais voilà, donc au sortir de la réalisation de la 3e édition du Festival international de la sapologie féminine, comme il est de mon habitude, je viens toujours en France au mois d'avril pour venir célébrer mon anniversaire ici en famille. Et il se passe que, juste quelques temps après, étant encore à Brazzaville, nous avons commencé à entendre certains bruits par-ci, par-là, qu'on aurait arrêté Ahmed Yala, que Ahmed Yala aurait détourné. Et là, j'étais encore à Brazzaville, hein, une semaine même avant que je me déplace. Et j'ai même tenu à participer à des émissions à la télévision, pour qu'on me regarde et pour savoir qu'il ne l'était rien de tout cela. Et j'ai donc demandé à mon entreprise, selon la réglementation de notre entreprise, la possibilité de venir en vacances ici en France. Et c'est ce qui a été fait et cela m'a été accordé. Et il était question que je prenne mon vol le samedi 24 mars 2017. Or, il se passe que le même samedi 24 2017, le vol de Air France a été annulé à Brazzaville. Et le vol du lundi qui devait suivre lundi 26 aussi, 27 aussi, était annulé. Alors donc, il me restait une seule possibilité de prendre le vol à Kinshasa le dimanche 26. C'est ce que j'ai fait régulièrement.
je suis sorti de Brazzaville du Congo avec tous les cachets normaux, sans interdiction de sortir de qui que ce soit. Et voilà que j'ai pris mon vol comme tout le monde qui peut le prendre n'importe où, je l'ai pris à Kinshasa et je suis arrivé à Paris. Et derrière moi, ah ben voilà, c'est à volo, comme nous avons entendu par-ci, par-là. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, maintenant, j'ai pensé qu'il faut qu'on tire ces choses-là au clair. Mais je voulais dire ceci, que nous devons retenir que toute personne accusée reste toujours présumée innocente jusqu'à les contraires de cela lorsque un tribunal l'a condamnée ou l'a innocentée. Donc, lorsqu'on peut porter des accusations sur quelqu'un, il n'est toujours pas dit que c'est les vrais sont réels. Mais malheureusement, on constate qu'il y a des gens qui sont toujours à l'apologie de ce genre de choses pour porter des diatribes contre des gens, alors que rien n'a été avéré. Pourquoi je vous donne la quintessence et de la profondeur de la chose, il faudrait que je vous présente un peu la réalité, ma réalité à moi, à la Kojelo, pour que vous arriviez à comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, vous allez retenir que je ne suis pas le directeur général de la Kojelo, je ne suis pas le directeur financier de la Kojelo, je n'ai pas un budget de la Kojelo à gérer, je ne suis pas dépositaire d'une signature de gestion de 1 centime. Malheureusement, non. Aucun centime de la Kojelo ne dépend de moi. Bon, en ce moment-là, déjà, je pense que les choses sont claires dès l'entrée du jeu pour savoir comment quelqu'un qui ne gère pas 1 centime peut prétendre détourner ou prendre de l'argent de la Kojelo. Et ça n'a jamais été. Deuxièmement, je ne fais l'objet d'aucune plainte, même de mon entreprise vis-à-vis de moi. Voyez-vous ? Alors donc, c'est pour que vous compreniez déjà que alors, l'environnement s'est retrouvé comme dans... On a lancé donc la pavée dans la mare comme ça, et voilà que tout le monde se met là-dessus. Alors, pourquoi cela en est arrivé ? Pourquoi on est arrivé là ? Moi, je découvre la Kojelo en 1992. En ce moment-là, je suis encore étudiant, sortant de mon cycle d'ingénierie, Bac plus 5, multidisciplinaire. Quand je tombe sur le programme de la Kojelo, je constate que la tête d'un être humain ne pouvait pas gérer la multitude de nombre de chevaux qu'il y avait. Donc, j'ai profité de mon expérience académique et j'ai développé donc un logiciel en mettant une base de données pour permettre à mon système de gérer tous les paramètres de ces milliers de chevaux tout en pouvant savoir dans quelles conditions ces chevaux pouvaient réussir. Et voilà donc, j'avais mis en place un journal hippique appelé Système Expert. Nous sommes en 1992-93. Je ne suis pas encore à la Kojelo. Et c'est fort du succès de ce journal que le directeur général entrant en ce temps-là, la personne de M. Kimbola, que je salue avec beaucoup de respect, va donc me demander d'intégrer la Kojelo parce qu'il y avait une intelligence que les agents de la Kojelo n'avaient pas. Parce que je suis le seul et l'unique expert congolais en matière épique. Il n'y a aucun Congolais en dehors de M. Yala qui a pu mettre un journal épique sur le marché et avec une renommée reconnue de tous les Congolais. Donc, ce journal qui était un journal privé, une fois que je suis arrivé à la Kojelo, était devenu maintenant un journal donc Kojelo et M. Yala avec, à qui on reversait des royalties. Et profitant donc effectivement de cette compétence, nous avons travaillé ensemble, hein, toute la Kojelo, mais avec quand même M. Yala comme un des moteurs. Et le directeur général en ce temps réalisa le meilleur chiffre d'affaires de 12 milliards de francs CFA. Avec la participation très énergétique de M. Yala, parce que nous dépendons du PMU qui dépend des maisons de presse hippique par lesquelles on nous envoie les programmes que nous donnons aux parieurs. Mais moi, j'ai la capacité scientifique et technique de développer le même programme. Or, il se passe que nous avions un problème. Les programmes qu'on nous donne, ce sont des programmes liés aux trousses de tiercé, quarté, quinté de France qui sont courus entre 13h et 14h. Pour la France, ça ne pose pas de problème. Mais pour l'Afrique, ça pose un problème parce que le parieur africain, en ce moment-là, n'a pas l'argent pour jouer. Mais il fallait donc avoir cette science, cette capacité pour que nous développions nous-mêmes nos programmes à des heures plus tardives pour permettre à nos parieurs de jouer. Et cette intelligence-là est une marque déposée unique à M. Yala. Et c'est ce que j'ai fait, donc, mis à la disposition de la Kojelo. Je suis parti de la Kojelo en 1998, après avoir été élevé directeur général par intérim de la Kojelo après la guerre. Quand je suis nommé directeur général de la Kojelo, je suis le premier agent
de la COGELO à occuper ce poste agent, car nos directeurs généraux d'anciens, d'antan, étaient des fonctionnaires d'État. Donc quand on te relève, quand on les relevait, ils repartaient dans leur entité de fonctionnaires. Mais moi, je suis le premier agent à occuper ces postes. Alors donc, le directeur général qui venait le suivant, donc retrouvait dans l'entreprise un ancien directeur général. Et ça m'a posé un problème déjà de lutte et de rivalité avec ceux qui ne voulaient pas me voir. Voilà d'une manière injuste. Donc j'ai été débarqué de la COGELO en 1998. Sans un problème, je n'ai jamais fait l'objet d'une plainte, moi encore présenté quelque part, ou bien accusé de quoi que ce soit, ou bien reconnu coupable de quoi que ce soit, zéro. Et je rends hommage à une autorité de notre pays qui s'était investi à la résolution de ce problème, en l'occurrence le ministre général Oba, que je salue aussi avec déférence, qui en ce moment-là appela le directeur général de ce temps pour savoir qu'est-ce qu'il en était exactement avec M. Yala. Constatant qu'il n'y avait pas de problème, et la décision de ma réhabilitation a été prise. Mais malheureusement, ce dernier venu en France ici mourut. Et la situation est restée en état pendant un temps, et j'ai fait 13 ans en dehors de la COGELO. Mais puisque je suis le pilier, le moteur, la maison a connu une faillite. Et on nomma un nouveau directeur général en la personne de M. Nestor Tsamou Makosso, qui est un gonflé personnel aussi, assis aussi, que je salue avec déférence. Et voilà que mes services ont été demandés pour venir aider à relever cette entreprise que nous avons héritée avec une trésorerie de 0 francs CFA, s'il vous plaît, pour ne pas dire 100 000 francs CFA, et 23 milliards de dettes, plus 6 mois d'arriérés de salaire. Ça, c'était la situation d'héritage que nous avons trouvé de la COGELO août 2011. Et donc, mission donc m'a été donnée pour que je mette encore tout mon savoir-faire pour que nous relevions cette maison. Chose que j'ai faite. Et en moins de 3 mois, donc de septembre, octobre, novembre, décembre, on a réglé tous les arriérés et nous sommes repartis sur une nouvelle année de 2012. Mais puisque je suis revenu aux commandes, puisque j'ai mis le savoir-faire qui a fait ses preuves d'antan, alors qu'avant nous, la COGELO ne faisait des chiffres d'affaires que de 7 à 8 milliards. Et voilà qu'avec mon retour, première année 2012, nous avons réalisé 12 milliards de chiffres d'affaires comme on l'avait réalisé en 1995. Ça, c'est encore par l'apport conséquemment très consécutif de M. Yala. Bien sûr que c'est un ensemble, mais dans toute une équipe, il y a aussi des meneurs de jeu. Deuxième année, 13 milliards de chiffres d'affaires. Alors là, c'est là où les problèmes ont commencé. Ceux qui étaient aux commandes avant, constatant la réussite que nous sommes en train d'apporter à notre entreprise, ont commencé à s'ériger contre M. Yala pour l'empêcher à continuer à donner le meilleur résultat à la COGELO parce que le résultat que moi j'ai apporté les effaçait d'une manière pour dire que voilà l'homme qui connaît le travail et l'homme par lequel la COGELO se retrouve. Donc en 1994, quand les tumultes commence dans ce sens, j'arrête mon investissement personnel à œuvrer encore à ce que la maison puisse s'élever. Et voilà que, lorsque nous sommes arrivés là en 2014, quand j'arrête, première chute du résultat en 2014. Et en 2015, étant libre, puisque je ne me donnais plus trop au travail par rapport au fait que on ne me permettait plus de m'exprimer professionnellement, je suis allé m'occuper de la sapologie en créant le Festival international de la sapologie en 2015. Et on a fait donc la deuxième édition aussi en 2016. Quand je fais le Festival international de la sapologie en 2016, le même jour, en 2016, j'ai été suspendu de mes fonctions de directeur d'exploitation et de l'informatique de la COGELO. Donc, de 2016 à 2017, je n'étais plus aux commandes de la technicité de la maison. Et ce qui a eu pour conséquence, effectivement, encore pire, et la maison a continué à tomber. Et ce qui amène donc en 2016 un résultat encore catastrophique. Mais le déclic arrive à quel moment? Il se passe que le directeur général en place, en 2016, atteignait l'âge de la retraite. Ce qui était une opportunité pour ceux qui étaient contre lui de l'abattre pour prétendre récupérer la maison.
Mais derrière ce directeur général, il y a l'artisan. Qui est qui, monsieur Yala? Alors, autant qu'on s'attaque à lui, autant qu'on s'est attaqué à moi, comme lorsqu'on s'attaque à un père pour ses biens, on s'attaque au fils aussi pour l'héritage. Donc aujourd'hui, j'ai subi ce qu'on appelle les effets collatéraux de cette attaque menée vers le monsieur le directeur général qui a donné l'un des meilleurs résultats à la COGELO jamais réalisé avec l'apport de monsieur Yala. 2012, 12 milliards, 2013, 13 milliards et on ne l'avait jamais réalisé dans le temps. Et voilà comment ce que, dans la politique de chercher à le descendre, le samedi 25 décembre, quand on le démet de ses fonctions, ben, en ce moment-là, on lance donc cette pavée dans la mare, voilà, que M. Yala aurait pris un centime. Mais qui n'existe nulle part. Comme on dit, quand on ne veut plus son chien, on l'accuse de rage. Et c'est de ce que donc j'ai subi en écoutant cela, vous et moi, ici à Paris. Bien que ça avait commencé pendant que je suis à Brazzaville. Voilà. Voilà, on est mot. Le sens d'où vient cette affaire. Mais je vous ai déjà dit qu'au demeurant, je ne suis gestionnaire d'aucun centime de la COGELO. Mais comme j'ai commencé à réaliser des festivals et beaucoup de choses en ce qui me concerne, il y a aussi eu des questionnements autour de savoir, mais monsieur Yala organise ces choses, où trouve-t-il de l'argent? Mais à cette question, j'ai plusieurs fois répondu. Monsieur Yala qui organise les festivals à l'apport de beaucoup de concours de beaucoup de gens. Nous avons des sponsors, nous avons des frères et sœurs qui nous aident aussi, bien que nous mettons aussi quand même un peu de nos moyens. Vous savez qu'un festival, on ne peut pas le réaliser de vous-même. Voilà. Donc, en ce qui concerne la COGELO, c'est pour vous dire, pour vous apporter cette lanterne, et cette affaire, pour corroborer ce que je viens de vous dire tout à l'heure, donc, a été saisie par les autorités du pays qui en ont fait toutes les enquêtes et au jour que je vous parle, les conclusions sont tombées et il n'en est rien et rien de cela. Donc M. Yala ne fait l'objet d'aucune plainte, d'aucune poursuite, d'aucune responsabilité, d'aucun fait avéré qu'il aurait pris un centime. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Voilà, comme je dis, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pris donc mon temps de venir vous en expliquer, vous, pour certains qui s'en étaient réjouis, croyant que l'homme était fautif, malheureusement non. Et aujourd'hui que je vous parle, mon entreprise me demande d'aller reprendre mon service. Sommation m'a été faite de reprendre mon service. Mais vu le préjudice moral que j'ai reçu, j'ai demandé une mise en disponibilité que j'avais déjà demandé. J'ai dit, je suis parti. En mars 2017, donc je reviens en mars 2018. Mais la société m'a demandé de reprendre mon travail. Mais aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez déjà que même mon entreprise à moi, celle que vous pensez que j'avais fauté ou bien pris de l'argent, elle ne me tient pas rigueur de quelque chose, de rien. Voilà, donc je ne serais allé de midi à 14h. L'essentiel, c'était cela que j'avais à vous le dire. Donc voilà. Je vous remercie. À ce sujet de la COGELO, si vous avez des questions, je répondrai à votre question. Je vous remercie. Oh, négativité n'est pas ma pinda. Je positive. Je positive. C'est pas bon, papa.